Les accusations continuent, et oui, Diddy même aura l'impression que le monde est contre lui ces derniers temps. Des nouvelles plaintes ont été déposées contre P. Diddy, dont l'une accusant le rappeur d'agression sexuelle sur mineur, a déclaré l'avocat Tony Busby le lundi 14 octobre. Ces plaintes au civil déposées à New York par 6 personnes, dont 2 femmes et 4 hommes, font partie de la série de procédures impliquant plus de 120 victimes présumées, annoncées récemment par un avocat américain, après l'inculpation et l'incarcération du producteur de hip-hop. Ce dernier est accusé au pénal d'avoir dirigé pendant des années un système violent de trafic sexuel et d'extorsion. Que contiennent ces nouvelles plaintes et qui sont les 6 victimes? Comme le révèle Le Parisien, Le Monde ou encore Le Figaro, les accusations sont formulées par 2 femmes et 4 hommes, dont certains mineurs, au moment des faits dénoncés, portent sur des allégations allant de 1995 à 2021. Selon certains des plaignants, les faits se seraient déroulés lors de fêtes organisées par le producteur, aussi appelé P. Diddy ou Puff Daddy, auxquelles participaient de grandes célébrités et des artistes de musique. Cette nouvelle vague d'accusations fait état d'agressions dans le genre que vous savez déjà, de choses inappropriées forcées et encore une fois, de l'utilisation de substances pour neutraliser les victimes. Si les identités de ces 2 femmes et de ces 4 hommes n'ont pas été révélées, le contenu de certaines plaintes a été dévoilé par BBC. L'un des plaignants mineurs à l'époque des faits et qui vit aujourd'hui en Caroline du Nord affirme que le baron du hip-hop lui a caressé les parties génitales lorsqu'il avait 16 ans lors d'une des célèbres soirées blanches organisées dans les Hamptons en 1998 près de New York. Dans sa plainte consultée par la BBC, l'homme affirme avoir croisé John Diddy Combs aux toilettes au cours de la soirée. Le producteur l'aurait alors emmené dans un endroit plus privé. Lors de cette conversation, le rappeur aurait alors brusquement ordonné à l'adolescent de se déshabiller et de baisser son pantalon, lui expliquant qu'il s'agissait d'un rite de passage et de la voie pour devenir une star. P. Diddy lui aurait ensuite dit qu'il pouvait faire de n'importe qui une star et que l'adolescent avait le bon look. L'homme déclare avoir obtempéré par peur, par stress et à cause du déséquilibre de pouvoir qu'il ressentait face au rappeur, ne réalisant que plus tard qu'il s'agissait d'une agression sexuelle. Une des plaignantes affirme que Combs l'a forcé dans une chambre d'hôtel fermée à clé en 2004, après l'avoir invité avec une amie à une fête, leur avoir donné à boire et leur avoir dit de consommer de la poudre blanche. La femme, qui était alors en première année d'université, affirme que l'accusé a également forcé son amie à lui faire des pratiques sexuelles avec sa bouche, le menaçant de les tuer toutes les deux si elle ne se pliait pas à ses exigences. Une autre victime alléguée affirme que P. Diddy l'a brutalement attaqué, et ceci contre sa volonté dans une salle de bain en 2005, lors d'une fête organisée pour le tournage du vidéoclip du rappeur Biggie Smalls One More Chance. Elle explique que Combs l'aurait emmené dans la salle de bain pour lui parler en privé, et qu'il aurait commencé à l'embrasser de manière inattendue. Lorsqu'elle a tenté de le repousser, il aurait cogné la tête contre le mur, la faisant chuter. Elle dit avoir essayé de s'échapper mais Combs l'aurait de nouveau frappé, et c'est à ce moment qu'il l'aurait agressé à son insu. Toujours selon les dires de la plaignante, Combs aurait nonchalamment ajusté ses vêtements et lui aurait dit « Tu ferais mieux de n'en parler à personne ou tu disparaîtras ». Dans le cadre d'un autre procès, un ancien agent de sécurité de Combs qui a travaillé lors de la traditionnelle fête blanche de la vedette dans les Hamptons affirme que Combs lui a donné en 2006 une boisson alcoolisée qu'il a découvert être mélangée à une substance puissante, ce qui l'a rendu extrêmement malade. L'homme affirme que Diddy l'a ensuite poussé dans une camionnette, l'a maintenu au sol et l'a agressé sexuellement. Dans les autres plaintes déposées lundi, le rappeur américain est aussi accusé d'avoir forcé un homme à lui faire une gâterie dans l'arrière-boutique du célèbre magasin Macy's de Manhattan aux États-Unis en 2008 et d'en avoir agressé sexuellement un autre lors d'une fête en octobre 2021. Ce dernier, qui soupçonne aussi qu'une drogue ajoutée à son verre l'a rendu incapable de se défendre, se souvient s'être fait agresser par plusieurs hommes et se rappelle distinctement avoir vu P. Diddy au-dessus de lui, nu. À un moment de l'agression. Son procès pénal en mai. Présentement inculpé et incarcéré au Metropolitan Detention Center, une prison fédérale de Brooklyn, pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle, P. Diddy, 54 ans, a plaidé non coupable aux accusations d'extorsion et de trafic sexuel, selon lesquelles il aurait contraint et abusé sexuellement des femmes pendant des années, avec l'aide d'un réseau d'associés et d'employés. Plus de 100 victimes présumées l'accusent également d'avoir réduit les victimes au silence par le moyen de chantage et de violence, comme la séquestration, l'incendie criminel et des passages à tabac. Sean Combs a plaidé non coupable et se dit innocent. Pourquoi la justice refuse-t-elle de le libérer? La semaine dernière, un juge du tribunal fédéral de Manhattan a fixé la date de son procès pénal au 5 mai 2025.
Si ses avocats ont tenté de le faire libérer sous caution depuis son arrestation le 16 septembre dernier, deux juges ont conclu qu'il constitue un danger pour la communauté. L'un d'entre ses avocats proposait de verser 50 millions de dollars et promettait que leur client n'entrerait en contact avec aucune femme au temps de la procédure. Il soulignait également que comme le rappeur est en prison, ses deux plus jeunes enfants âgés de 7 ans se retrouvaient sans parents plus que leur mère. L'ex-mannequin Kim Porter est décédé des suites d'une pneumonie en 2019. Malgré tous ses aimants, la procureure Emily Johnson a décidé que Diddy resterait derrière les barreaux du sinistre pénitencier fédéral de Brooklyn jusqu'à son procès en mai prochain. Tel que le prévenu tente de fuir les États-Unis ou d'entrer en contact avec les plaignants ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire. Pas moins de 96 appareils électroniques ont été saisis chez lui et ils n'ont pas encore livré tous leurs secrets. D'autres stars vont-elles tomber s'il est coupable? C'est l'un des points qui fait les choux gras de la press people et des réseaux sociaux. Durant sa carrière, Diddy a organisé des centaines de fêtes spectaculaires réunissant tout le gratin du showbiz. Des stars de la musique mais aussi du cinéma et de la politique invités à festoyer vêtus de blanc dans de somptueuses villas des Hamptons à Saint-Tropez. Une rapide recherche Google permet de le retrouver en train de trinquer avec Jay-Z et Beyoncé, Mariah Carey, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, son ex Jennifer Lopez ou encore Donald et Melania Trump. Ce qui ne fait pas d'eux des complices de ce méfait. Car si des pratiques sexuelles n'étaient pas absentes, des fêtes traditionnelles de Diddy, ces dernières ne doivent pas être confondues avec les nébuleuses soirées freak-off, encore plus privées et élaborées. Le matériel saisi par le FBI a permis d'en savoir plus sur ces orgies organisées le plus souvent dans des hôtels. Pendant plusieurs jours non-stop, les participants avaient des relations sexuelles avec des travailleuses sexuelles sous influence de substances comme l'ecstasy, le GHB ou encore la kétamine. Le tout filmé par le maître des lieux. Des stars figurent-elles sur les images? Mystère pour le moment. On en saura plus au moment opportun. Que risque-t-il vraiment? S'il est condamné pour trafic sexuel, Diddy risque un minimum de 15 ans de prison. En 2019, une autre star de la musique, le chanteur R. Kelly, avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour trafic et exploitation sexuelle de mineurs. Là où son collègue joue encore plus gros, c'est avec l'inculpation d'extorsion puisqu'elle pourrait lui valoir la perpétuité que des plaintes pour viol et agression sexuelle qui s'accumulent. Contrairement à l'affaire Cassie, il n'est pas exclu que certaines aillent jusqu'au procès. Pour plaider sa cause, Diddy a engagé la crème du barreau de New York. Parmi ses avocats figure le chevronné Mark Anfilo, qui était aux côtés de Dominique Strauss-Kahn quand l'ex-directeur général du FMI a été inculpé dans l'affaire Nafissatou Diallo en 2011. Pour la courte histoire, en 2011, une tempête médiatique éclate autour de Dominique Strauss-Kahn, DSK. Alors directeur général du Fonds monétaire international, FMI, est favori dans la course à la présidence française. Le 14 mai, tout bascule lorsque Nafissatou Diallo, une femme de chambre à l'hôtel Sofitel de New York, l'accuse de l'avoir agressée sexuellement. L'arrestation spectaculaire de DSK à l'aéroport de New York choque le monde entier, mettant en pause une carrière politique qui semblait promettre un avenir grandiose. C'est ici que Mark Anfilo entre en scène. Avocat chevronné, il a été membre de l'équipe de défense de DSK, aux côtés des ténors du barreau américain. L'affaire prend des dimensions titanesques. D'un côté, la parole d'une immigrée guinéenne vivant dans le Bronx, et de l'autre, celle d'un homme parmi les plus puissants de la planète. Le récit d'une agression dans une suite luxueuse devient l'objet d'une bataille juridique complexe, dans un contexte où la pression publique et médiatique est à son paroxysme. Mark Anfilo et son équipe s'efforcent de déconstruire le témoignage de Diallo en exposant des incohérences dans ses déclarations. Peu à peu, la crédibilité de l'accusatrice vacille, notamment après la révélation de certaines informations sur son passé et des changements dans son récit. En parallèle, DSK est contraint de démissionner de son poste de directeur général du FMI, marquant ainsi une chute brutale pour celui qui, quelques mois auparavant, semblait intouchable. Après plusieurs mois de bataille judiciaire, l'accusation pénalement abandonnée en août 2011, mais l'affaire ne s'arrête pas là. DSK, bien que lavé des charges criminelles, voit sa réputation sévèrement entachée et accepte par la suite un arrangement financier avec Nafissatou Diallo dans le cadre d'une procédure civile. Après l'arrestation du rappeur-producteur, il a implicitement accusé la justice de racisme à l'égard d'un self-made man afro-américain. Un mode de défense périlleux devant la multiplicité des accusations contre son nouveau client. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti de la prochaine vidéo. À la prochaine.